Bonjour, je m'appelle Alexandre Xteros de la société Eretis. Donc aujourd'hui, je présente une nouvelle technologie que l'on nomme le LiFi. Donc le LiFi, c'est quoi? C'est la transmission de la donnée par la lumière. Donc c'est un nouveau dispositif, une nouvelle technologie qui permet de transmettre de la donnée via un luminaire de type LED. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. La LED aujourd'hui, c'est un dispositif qui clignote, mais trop vite pour que l'œil humain le voit. Donc l'idée a été ingénieuse d'y glisser de la donnée, comme un peu le morse. Donc on a un récepteur qu'on connecte aujourd'hui sur un PC et qui permet de recevoir la donnée. Alors, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'il n'y a pas d'onde électromagnétique. Donc il y a aussi un intérêt en termes de santé puisqu'on diffuse la donnée par la lumière. Et aussi c'est très directif, c'est-à-dire on peut choisir là où on va émettre la donnée. Donc il faut imaginer un cercle d'une circonférence de 4 mètres. On peut aussi visuellement modéliser les zones sur lesquelles on va émettre la lumière pour capter le signal. Pour les écoles, si demain on utilise du LiFi, comme les zones de rayonnement sont identifiées, déjà les élèves vont être dans des zones qu'on va pouvoir visuellement regarder. Donc ce ne sera pas du téléchargement pirate ou des zones un petit peu, on peut capter le signal un petit peu partout. Et puis c'est sécurisé, c'est-à-dire si je ne suis pas sous le cône de lumière, en fait, je ne reçois pas le signal. Donc par exemple, les profs vont se réunir et vont accéder à du contenu dédié à l'enseignement. Voilà, si je ne suis pas dans le cône de lumière, en fait, je n'aurai pas accès.